DV5, ça y est, on est passé à DV5. Alors oui, je sais, j'ai pris un peu de retard sur la vidéo, j'ai été très occupé, j'avais vraiment pas beaucoup de temps entre le fait de recevoir mes nouveaux rendus, mes nouveaux sujets de rendu pour la fin de l'année, et en même temps entraînement en équipe avec mon équipe Dota pour le tournoi de dimanche, que je streamerai d'ailleurs pour ceux qui veulent venir sur la chaîne Twitch, où je streamerai du coup les parties de mon équipe, et puis après je streamerai le loser bracket, c'est-à-dire ceux qui auront perdu au premier tour et qui après auront la chance de se rattraper. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous pourrez venir nous voir, c'est sur Asgalor Gaming, hein, c'est le même nom que la chaîne YouTube. Et revenons-en à Clash of Clans. Donc on est quand même passé à HDV5, donc vous voyez, j'avais, comme je vous l'avais dit, probablement pas le temps de tout monter dans le niveau des mines et extracteurs. Et donc du coup il m'en reste 3 qui sont pas montés, voilà, malheureusement j'en ai 3 qui sont pas montés, on les montrera, vous en faites pas. Mais on va tout de suite se concentrer sur les nouvelles choses. Donc déjà on va récupérer nos 10 petites gemmes. Là on va regarder vite fait aux nouveautés. Pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a eu une mise à jour toute récente où on a dorénavant la possibilité à l'HDN9 de débloquer l'unité bébé dragon, donc qui est un dragon qui va devenir enragé si elle est éloignée des autres unités volantes, parce que en gros c'est le bébé, il flippe sa race et il se met à taper comme pas possible, genre animal apeuré devient dangereux, ben voilà, en gros c'est ça le truc. Et les mineurs qui sont disponibles un peu plus tard, je sais plus à quel HDV, pour les casernes de niveau 12, donc je pense que c'est HDV 10, voilà, ouais c'est niveau 10. Et en gros du coup les mineurs, eux, ils vont pouvoir, en fait dès que vous les posez sur la map, ils vont se mettre sous terre jusqu'à ce qu'ils atteignent l'unité qu'ils ont décidé de cibler, donc la première unité qu'ils ciblent. Donc par exemple, imaginez, je vais vous montrer, genre vous posez votre mineur ici, sa première cible ça va être forcément le camp militaire ici, jusqu'à arriver au camp militaire il sera sous terre, donc du coup intouchable par les défenses. Voilà la petite intérêt, en gros, tant qu'il tape pas un bâtiment, votre mineur est intouchable, il ne déclenche pas les pièges, il se prend pas de coups de mortier, rien du tout, donc c'est quand même très sympathique. Après faut voir, faut tester en gameplay, sur mon gros compte je l'ai pas encore le mineur, donc je pourrais pas le tester, mais quand je serai HDV10, nous verrons ça. Donc maintenant, les nouveaux bâtiments, alors obligatoirement, nos trucs de ressources, ça prend 10 secondes, je les fais direct, pour l'instant je pose tous les bâtiments, oula, pas les gemmes, je m'en fous des... Je sais plus cliquer les gars. Les nouveaux bâtiments, on les fait en 2-2. De toute manière, on va essayer de lancer tous les bâtiments. Mais bon, comme il y en a certains qui prennent quand même un temps assez long au niveau de la création, il va falloir faire attention à ça. Alors, dans les commentaires, on m'a demandé de focus la tour de sorcier. Donc, de base, je vais l'en lancer tout de suite, histoire d'être sûr d'avoir assez de gold, quoi qu'il arrive. Donc voilà. On a notre tour de sorcier, ces deux petits trucs sont déjà finis, ça c'est nickel. Après ça sera prendre une minute, on pourra les augmenter comme ça rapidement, hein, vous voyez tous ces trucs là. Bref, allons voir ce que l'on peut placer d'autre, donc en armée. Alors on aura aussi l'usine de sort et le nouveau camp militaire, très important à placer. Et en défense, on a un nouveau canon, on va le mettre directement. Voilà. Non, pas en défense. Voilà. Alors... on va mettre tout ce qu'on a de nouveau qui prend pas de temps de toute façon, toc, toc, voilà, nos deux pièges, ensuite nos bombes, on va les mettre là où on peut les voir, toc, nickel, la tour d'archer qui va prendre une minute, donc ça va aller vite, et ensuite on a, reviens là, on a nos 50 remparts, je regarde qu'on a plus rien d'autre, non, on n'a plus rien d'autre, on a nos 50 remparts à mettre, alors on va essayer de se trouver une petite ligne droite, hein, les gars, je suppose que ça va descendre comme ça, ouais, on va faire ça comme ça. Tac, hop 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 hop, non mais je m'en bats les couilles, tu peux venir là toi, bon, je sais pas ce que tu me fais là avec tes remparts gros, mais ça va pas là, tac, on va y décaler un peu, et voilà, nickel. Donc là on a déjà une bonne partie des choses de fait, on a notre camp militaire à faire, 5 minutes, ça va être rapide aussi, vous voyez, donc l'intérêt d'avoir d'être full ressources, c'est qu'au moins il y a plein de choses que vous pouvez enchaîner quand même, vous pouvez tout construire déjà de base, et puis vous allez pouvoir lancer, là je vais pouvoir lancer quand même pas mal d'améliorations, j'ai déjà claqué quand même une grande partie de ma gold, hein. Si on regarde, j'ai claqué beaucoup de gold, mais ça passe encore, 180 000 pour ça, je sais pas combien pour ça, mais c'est quand même claqué quoi, là regardez, hop, on va mettre du 12 000, toc, toc, 12 000 encore, hop, ça c'est fait. Ah, ça va commencer à coûter un chouïa cher.
Et on ne pourra pas les mettre niveau 4 tout de suite. Donc maintenant, ce que je vous propose, parce que je vérifie quand même, hein, dernière petite vérification, il ne reste plus que l'usine de sort à construire dans les nouveaux bâtiments que nous n'avons pas construits. Tout ça, c'est bon. Là, non, là, c'est pour acheter des gemmes, on n'en a pas. Ben voilà, on a tout construit, les amis. Donc, juste l'usine de sort qu'on va mettre aussi, on va la lancer. On va la lancer même maintenant, hein, ça me paraît quand même assez intéressant à lancer. Donc, on va la poser. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, on va attendre d'avoir un ouvrier dispo. On va déblayer toutes ces conneries-là qui vont nous empêcher de faire une création de village originale. Et ensuite, eh ben, on va partir pour la création de village. Donc, il y aura un mini speed building encore sur ce, un petit speed building encore sur cet épisode, comme lors de l'HDV4, du passage HDV4, pour que vous puissiez voir à peu près comment vous pourriez essayer de construire votre village. Donc, je vais le construire vraiment sans Vivi de base. Hein, je vais le regarder, enfin, je vais le faire moi-même. Je vais pas prendre d'exemple ni rien. Ça va vraiment être au feeling et je vais essayer de faire un Vivi qui tient la route. Je suis pas non plus sûr que ça soit que j'arrive à faire forcément directement un Vivi hyper bien, mais bon, généralement je m'accorde que j'arrive à faire des Vivi qui tiennent plutôt la route quand je les fais moi-même. Donc voilà, je vous proposerai un Vivi créé comme ça, et puis on verra s'il est bien ou pas. De toute manière, on verra aux défenses que je prendrai si jamais bah, il arrive à défendre contre quelques petites choses, mais bon, on va pas se leurrer. En tant qu'HDV5. On défend pas grand chose quand même, hein. On défend pas contre beaucoup de troupes. Bon les amis, ce que je vais vous proposer, histoire de pas vous laisser attendre pendant les 2 minutes, que nous partions faire une petite attaque, histoire de s'occuper un peu. On a les troupes qui sont prêtes, alors moi je vous propose de faire une petite attaque. D'ailleurs, je vous propose même d'aller récupérer un petit peu tout ça, parce que là, vous voyez, franchement avec peu de troupes, on va récupérer déjà pas mal de gold, je pense. Il va falloir remettre quelques barbares quand même, hein. Et voilà, là je pense que déjà on peut prendre quasiment toute la gold du mec. Voilà, il avait 9000, on est des... il reste déjà plus que 2500, donc nickel. Voilà, on l'aura bien pillé. Allez, les archers, ils vont finir le travail, là, il n'y a pas besoin de reposer de barbares. Voilà, nickel. Est-ce qu'on essaye d'aller chercher l'élixir? Bah, écoutez, moi je vous dis pourquoi pas. Hein. Je sais pas s'ils sont hors de portée des défenses, là, les archers. Je pense que le mortier, il touche cet archer-là. Ouais, bah, même là, il touche, le canon, il touche là. Donc on va mettre ça un petit peu, comme ça on va pouvoir aller casser tout ça vite fait. Hein. Au pire, vous savez quoi, même si c'est pas une grosse attaque, on s'en fout, c'est juste pour passer le temps, on va mettre toutes les troupes. Voilà, on va mettre toutes les troupes, en mode bourrin, on va essayer de faire une étoile. La mode bourrin, ça marche souvent les gars, hein. Faut pas croire, hein. Il faut pas se dire, ouais, parfois ça marche. Hein. Surtout en début, bon bah vos troupes elles sont faibles, donc quoi qu'il arrive, enfin voilà. Si vous les placez en mode bourrin, bah, c'est peut-être la seule chance que vous avez de pouvoir casser certaines choses. Après, je vous dis pas, hein, quand vous êtes HDV 8 ou 9, là, les attaques, il faut quand même réfléchir sur le moment, quoi. C'est pas genre, à part même en full dragon, vous réfléchissez où vous placez vos dragons pour que ça fasse, pour que ça puisse aller chercher le 2 étoiles, le 3 étoiles, voilà, quoi. En go whip aussi, tout genre de choses. Après, vous réfléchissez où vous placez vos troupes. Mais généralement, quand même, le full bourrin avant tout ça, ça marche généralement très bien. Voilà. Pas besoin trop de réfléchir, ça marche tout seul. On va récupérer des gemmes en plus, les amis. C'est combien pour le prochain ouvrier? C'est 1000, hein. C'est 1000, donc on est à 300. Écoutez, ça avance progressivement à chaque fois qu'on déblaye. Qu'est-ce que je veux dire? On essayera de farmer, je pense, un petit peu les... Ça y est, je trouve plus mes mots. Les succès, histoire de récupérer des gemmes. Ce serait pas mal qu'en tant qu'HDV5, on arrive à débloquer notre quatrième ouvrier. Je pense qu'il y a largement moyen, les gars, hein, parce que j'ai pas encore fait le succès, par exemple, d'atteindre, voilà, ça là, je l'ai pas encore fait, d'atteindre les 1250 trophées, qui va me rapporter 450. Donc ça devrait me mettre quand même plutôt bien. Parce que là, si je me fais 450, imaginez que maintenant même, j'ai 450, j'arriverai déjà à 752. Donc 752 gemmes, en comptant tout ça, retirer, je pense que j'arriverai pas loin, plus ça là. En comptant tout ce que j'ai retiré ici, j'arriverai pas loin des 800 gemmes. Je ferai déjà pas mal, ça veut dire que ça, on approchera quand même assez vite. Après, les succès se font très vite, hein, franchement. Enfin, tout dépend desquels, bien sûr, mais il y a quand même des succès. Celui-là, regardez, ça arrivera très vite. Je vais être obligé de farm pour faire mon HDV, donc ces deux succès-là, enfin, ce succès-là et oui, celui-là. Celui-là, il sera beaucoup plus compliqué à atteindre, mais ce succès-là arrivera vite. Ça, bah, du coup, à force, ça va venir quand même, ça va monter.
Les étoiles gobelins, ça peut se faire très facilement aussi. Enfin, j'ai vraiment plein de trucs qui sont faisables. Le truc des remparts aussi, je sais plus où il est. Bref, il y a vraiment plein de choses qu'on va pouvoir faire qui vont nous mettre bien et nous permettre de débloquer notre ouvrier. Donc c'est bon, on a un ouvrier de dispo. On va déblayer tout ça. Vous allez comme ça pouvoir voir un peu en live combien de GM on va gagner grâce à tout ça. Donc comme ça au moins vous voyez, hein, je ne gemme pas, tout est avec les gemmes récupérées. Hein. L'intérêt aussi c'est de vous montrer comment ça se passe quand on joue normalement. Parce que moi j'ai jamais utilisé d'argent, enfin mon portefeuille, voilà, pour progresser dans le jeu. Même si je sais que certains le font et que ça peut se comprendre. Hein, franchement, si on s'investit au taquet dans le jeu, bah écoutez, moi je dis pourquoi pas dépenser 5 ou 10 euros pour pouvoir vraiment faire une progression meilleure quand c'est un jeu qui nous plaît. Déjà c'est un free to play, donc il y a plein de jeux que vous achetez pour jouer. Bah si vous dépensez 10 euros ou 20 euros dans le jeu parce que ça, pour vous aider à progresser, au lieu d'acheter 20 euros votre jeu, bah écoutez, c'est rentable. Enfin c'est rentable. Non mais enfin c'est voilà, c'est un choix aussi qui peut tout à fait se comprendre. Moi bon, après voilà, comme je suis éparpillé sur plein de jeux, bah je pars du principe que j'ai pas trop besoin de payer. Je suis plus du genre à prendre mon mal en patience. Tac, on récupère ça. Allez, allez, on déblaye tout ça et après on fait le petit village. Donc bien sûr le speed building, j'allais dire speed dating. Le speed building bien sûr, mais il sera fait de manière à conclure la vidéo. Voilà. Je suis en mode absence totale de vocabulaire. J'arrive plus à dire mes mots aujourd'hui les gars. On a un peu faim aujourd'hui. Ce soir, puisqu'on est un peu le soir, je tourne cette vidéo en très fin de soirée et on est approche des minuit. Mais voilà. J'espère après, comme je vous dis, j'espère que le village vous plaira. Franchement, j'attends vos retours. J'attends pas mal les retours. J'aimerais bien avoir des retours sur le visi que je vais vous créer. Histoire que bah, voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est un village qui peut tenir la route. Ce genre de choses. Parce que après, voilà, je me dis, si jamais c'est un Vivi qui est bien, bah, il y a moyen de le conseiller à d'autres personnes, de le conseiller aussi sur mon live. Et à la limite, je le conserve. Je ferai sûrement un screen de mon Vivi actuel déjà aussi pour pouvoir vous le préparer, le présenter. Peut-être pas la GV4, de toute façon, il sera présent sur mes vidéos, donc on le verra. Il y a déjà le speed building, mais si jamais il y a besoin, comme ça je pourrais renvoyer les gens sur ma vidéo ou leur montrer le screen pour qu'ils sachent à peu près le Vivi que je leur conseille à tel niveau d'HDV. Parce que bien sûr je compte en faire un pour chaque HDV que je passerai sur mon petit compte. Puisque c'est un let's play, on va essayer d'aller le plus loin possible. Hein. Si possible, on ira jusqu'à l'HDV 11. Bon, je sais que là ça va vous paraître un peu long, mais j'ai tellement de trucs à retirer, les gars. C'est un peu long, mais voilà, il faut le faire, il faut y passer. Désolé, désolé. Donc voilà, demain, assez impatient, on aura notre tour de sorcier. Ça va commencer à être un Vivi qui aura un peu de défense, un peu plus de défense de zone surtout. Donc les petits barbares archers, il y aura beaucoup plus moyen de les repousser. Pourra mieux protéger nos ressources. Même si bon bah on arrive quand même à garder un peu. Bon là on a pris très cher pendant notre inactivité, les gars. 72 000, 62 000. Et là c'est quand tous mes pièges étaient inactifs, rien dans le château de clan, tout ça, mais en théorie, le Vivi défend pas trop mal. Genre, est-ce que j'ai une défense avec mes vrais quand le Vivi est rempli? Genre là, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Là, par exemple, avec même des ballons, c'est passé quand même. Ça a tenu le coup, voilà, ce genre de choses. Mais après, c'est. Comme vous le savez, les Vivi, tant qu'ils sont pas HDV8, ont aucune chance de résister à des attaques de manière réellement, enfin à des vraies attaques quoi. Même en HDV8 c'est dur de résister à des vraies attaques, les HDV9 et les HDV10 vous massacrent, et même normalement les autres HDV8, s'ils ont un minimum de talent d'attaque, sont capables de vous mettre au minimum 2 étoiles et généralement un 3 étoiles en fonction de la composition qui est utilisée. Voilà, ça fait genre très académique ce que je vous dis, genre on dirait que je fais une conférence et tout. Allez, allez. Il nous en reste plus grand chose là. Hein. Cela on pourrait les laisser à la limite. Bon, on va tout récupérer. Vous voyez, on est déjà monté à 362 gemmes, les gars. Ça grimpe les gemmes, hein, ça grimpe. J'ai pas fait gaffe à combien on en prenait à chaque fois, mais ça grimpe. On se met très bien niveau gemmes. On était à 302 gemmes ou c'est moi? Il me semble qu'on était à 302 gemmes, hein, puisque j'avais dit que si je prenais le 452 trophées, j'arrivais à 752. Donc on était à 302 gemmes. Vous voyez qu'on a gagné genre 67 gemmes, les gars.
60 gemmes de rien qu'en retirant tout ce qui est à l'intérieur, hein, même pas les trucs qui sont à l'extérieur. Donc on se met quand même très très bien niveau gemmes. Hein. Donc vous voyez, je pense qu'il y a vraiment largement, quand je vous disais, moyen d'avoir le quatrième ouvrier à l'HDV5. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très faisable. Voilà, c'est fait. On part pour le speed building, les gars. En avant. Ça va passer nickel. Mais écoutez, on va regarder si le village tient la route. Il me paraît pas trop mauvais. Écoutez, moi je trouve. J'ai beaucoup de fois écouté moi. Je trouve qu'il est pas trop mal. On a ici la seule ouverture du village sur une défense. Et cette ouverture. Ah, bien sûr, il y a l'antirène. Et cette ouverture va directement. J'ai trouvé en fait l'endroit où je mettais ça, c'est ici. Cette ouverture va directement être défendue par des pièges à ressorts, ce qui fait qu'il y a des géants, ils vont voler, s'il y a des barbares, ils vont voler. Donc ce sera plutôt rentable qu'ils attaquent par là, justement, pour moi. Défense anti-aérienne de ce côté-là, avec pas mal d'archers, de tours d'archers, ici anti-aérienne. Du coup, je vais peut-être mettre une bombe quand même de ce côté-là, au cas où. Puisque on n'a pas de... Non, bah non, si, c'est bon, c'était de ce côté-là, voilà. Je vais quand même mettre une bombe de ce côté-là, voilà. Ou comme ça. Bon, comme ça, ici. Au cas où ça viendrait, genre avec des gargouilles pour les casser, enfin on sait pas, on verra. On verra comment ça va se passer. Mais ça me paraît être plus logique. Voilà, on va mettre le piège ici. Le reste m'a l'air bien. Hein. Le mortier couvre quasiment la totalité du village. La tour de sorcier couvre les bâtiments importants. Le château de clan couvre la totalité du village. Bah voilà. Écoutez les amis, ça c'est fait. Hein. Ça m'a l'air assez régulier comme point de défense. On va sauvegarder ça. Dites-moi ce que vous pensez du Vivi. Donc voilà, je vais vous faire le retour. Définir comme actif, bien sûr. Donc voilà, les amis, le village terminé avec toutes les troupes qui se déplacent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le speed building vous a plu, si le village vous plaît, vous paraît pas trop mal, même s'il y a une petite ouverture. Bon, bah ça, c'est le manque de remparts, malheureusement. Voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien. Ça m'intéresse beaucoup, et si vous voulez que je vous propose aussi d'autres speedbuilding comme ça, si vous voulez que j'essaye d'en faire un genre pour GDC ou autre, mais ça me paraît être sensiblement les mêmes à ce niveau-là d'HDV. Donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. En attendant, ben, on va lancer une amélioration en plus. Je vous propose de lancer le camp militaire en plus. Voilà, il y en a pour une heure. Ça ira vite. Ou sinon, ouais, on a que ça. Ben, écoutez, go le camp militaire, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. Pensez à vous abonner, à la mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt, les amis.